Assoyez-vous, monsieur. Merci. Là, j'ai reçu vos documents. Vous voulez acheter Hydro-Québec? C'est ça. Bon, écoutez... Je passais dans le couloir, le monde me regardait, genre... Oui. Me regardait, genre, regarde Zouf qui vient de nulle part, qui veut acheter Hydro-Québec. Bon, donc, votre nom, c'est... C'est ça, c'est Zouf qui vient de nulle part. Bon. Mon père est d'origine roumaine. Puis là, vous voulez... Ben, viens acheter Hydro-Québec. Oui, je comprends. Mais est-ce que vous saviez que... Je suis assez content, là. Vous saviez qu'il y a comme un malaise avec le fait qu'Hydro-Québec soit associé au privé, là? Ben là, je comprends pas. Ils sont toujours associés au privé. Comment ça? Il fait rien que vanter un petit peu, puis annonce aux nouvelles qu'il y en a des milliers qui sont privés d'électricité. Non, c'est pas de ce privé-là qu'on parle. En tout cas, c'est combien? Un instant, vous y connaissez-vous, une énergie hydroélectrique? Oh, j'ai tout appris ça. J'ai appelé la semaine dernière, un anglophone m'a répondu. Il m'a parlé de ça, les watts, les kilowatts, les mégawatts. Oui. Il y a une autre affaire de watts, là. Are you crazy or what? Qu'il m'a dit. Vous savez qu'on avait un projet pour vendre plus d'électricité à l'étranger en exploitant la romaine, mais que le gouvernement a refusé. Ouais, mais. Ça veut dire. Vous avez moyen d'exploiter une autre sorte de laitue? Vous voulez faire quoi avec l'Hydro-Québec? Ben, exploiter à fond, puis envoyer les nouveaux barrages, puis. Ouais, c'est parce que c'est bien beau, mais... J'ai hâte de voir la face à Roy Dupuis. Je veux pas être condescendant, mais savez-vous combien ça vaut, Hydro-Québec? Oui, je sais. Vous le savez, oui. T'as vu les deux valises qu'il y a là? Oui. Tu combien qu'il y a là-dedans? Non. Ben, ouvrez. Non, j'ai pas besoin de les ouvrir. Non, mais si vous pensez que j'ai pas d'argent à ouvrir... Non, c'est pas ça. C'est par principe. Comment par principe? Vous saviez pas ça qu'on ouvre jamais des valises? Comment ça? En l'absence de Julie Snyder? En tout cas, j'ai l'argent. Oui, mais de l'argent dans des valises. Alors, inquiétez-vous pas, c'est proprement gagné. Ah, oui? Je suis auteur-concepteur d'un site web éducatif, puis c'est ce qui m'a permis. Vous êtes mis riche avec un site web éducatif. Vous avez pas envoyé le lien sur mon courriel? Oui, c'est parce que je n'étais pas allé voir. Là, c'est des notions d'apprentissage. De... Apprendre à mieux sucer en 37 leçons et 500 clips. Ben, c'est ça, là. Bon, écoutez, monsieur. Pas de saut métier. Je ne sais pas comment vous dire ça, là. Ben, quoi? Ah, OK, j'ai ma réponse ici. Visa et Mastercard. Donc, vous vous inscrirez plus tard. On s'occupe-tu de la transaction? Regardez, c'est pas juste une question d'argent. C'est Hydro-Québec, il y a une culture derrière ça. Ben, c'est oui. D'enseigner aux gens à être prudents, à moins consommer. Je le sais, je les vois, vos annonces. Ouais, mais en tout cas, j'ai l'intention d'améliorer ça. Ah, bon? Tu sais, votre concept de prise de courant qui parle, là. Ben, quoi? Franchement. Il y a bien des breakers qui pètent. Je reverrai ça. Faites-moi un prix. Ça va être plus compliqué que ça. Ben oui. Le nom même d'Hydro-Québec est historique. Oui, je sais d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Hydro-Québec. Les gens ne le savent pas, mais c'est le nom du premier autochtone qui a été exproprié par le projet. Oui, mais... Le grand chef Hydro-Québec a cédé une grande partie de son territoire en échange d'un collier en bonbons. Faudrait pas que ça se sache. Ça se saura pas si je l'achète. OK, je comprends. Il faudrait pas que Sarkozy apprenne cette histoire-là. Parce... Non, bon, regardez, écoutez... Il a pas la langue dans sa poche. Mais au contraire, il est poche avec sa langue. Bon, fait que combien? Mais combien, pourquoi? Toute l'hydro, là, les trois affaires. Les trois affaires. Ben, tous les barrages, les centrales, la distribution d'un fil dans tout le pays, un. OK. Plus les deux Zamboni au Centre Bell, trois. C'est vrai. OK, alors...